Yo les gens, c'est moi Scaf. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente Imagine Zone Gaming. Donc salut Thomas Scarf, salut tout le monde. J'ai donc lui posé quelques questions sur sa chaîne, histoire d'avoir quelques infos. Donc tout d'abord, tu vas nous dire d'où vient ton pseudo? Mon pseudo de chaîne YouTube, bah tout simplement, nous avons choisi, donc nous sommes deux à avoir créé cette chaîne YouTube, donc Lunatic et moi-même, et nous trouvons des lettres stylées, donc on a trouvé IZG, et ensuite nous avons tout simplement essayé de trouver des mots. À ces trois lettres, on a trouvé Imagine Zone Gaming, donc c'est un peu dur à expliquer, mais sinon voilà, c'est plus du pif, on va dire ça comme ça. Ok, tu vas nous dire d'où... Non, tu vas nous dire que propose ta chaîne YouTube? Alors sur ma chaîne YouTube, bah, je fais plus particulièrement du Call of Duty, bah, car c'est ma passion, enfin c'est notre passion, on est beaucoup dans ce jeu-là, mais nous faisons par exemple différentes vidéos, mais toujours basées sur ce jeu-là. Donc, bah, moi personnellement, nous présentons des gameplays avec des commentaries et des sujets assez intéressants. Sinon, nous présentons, bah, je fais énormément de Spot Tomahawk, donc j'en suis déjà à mon 13e épisode. Nous faisons des petits, bah, du fun et des petits tutoriels, bah, de design et plein d'autres choses encore, bah, je vous invite à aller la voir, franchement, si vous voulez voir bah, mes vidéos. Tu vas nous dire sur quelle plateforme tu joues? Donc je joue sur la plateforme donc PC. Donc je pense que tout le monde connaît, bah, tout simplement parce que c'est ce qui m'attire le plus, c'est ce qu'il y a de plus simple, on va dire ça comme ça. Parce que les consoles comme PS3, Xbox 360, c'est assez cher le matériel pour. Bah, pour filmer ou etc. Et puis bah j'avais pas les moyens non plus de m'acheter ça. Et donc voilà pourquoi je suis sur PC. Ok, tu vas nous dire si tu as un idole. Alors je n'ai pas d'idole, non, pas de grand youtubeur idole. Je regarde quelques vidéos de grands youtubeurs, certes celle Squeezie ou Seb la Frite, c'est les deux qui me font marrer. Après Wartech, Monsieur le V12, etc. Je ne regarde pas. Donc j'ai pas vraiment d'idole. J'aime juste, enfin j'ai juste, je suis le sur la chaîne sur laquelle je suis la plus active, c'est la Play Comedy Club, donc une chaîne francophone qui présente bah, du fun, qui ont plus de 500 000 abonnés, bah, c'est celle-là que bah, je regarde quasiment toutes les vidéos, donc c'est pas vraiment un idole, mais voilà, c'est ma, on va dire ma chaîne préférée entre parenthèses. Ok, tu vas nous dire si tu as un quelconque moment préféré sur YouTube? Bah moi mes moments préférés quand je suis sur YouTube, bah, c'est tout simplement quand je poste une vidéo, et ben c'est les commentaires positifs, le nombre de likes et les abonnés qui montent au fur et à mesure, bah ça c'est ce qui me fait continuer YouTube et c'est ce qui me plaît dans YouTube et puis voilà de faire des vidéos aussi. J'aime bien ça, faire plaisir à des gens, c'est ce que je préfère. Ok. Tu vas nous dire si tu as une saga préférée? J'ai pas Je ne joue pas vraiment à des jeux différents, je suis toujours basé sur Call of Duty, je les fais tous un par un, donc depuis Code 4. Sinon, je ne joue. Bon, je vais vous répondre non. Je ne joue pas à des jeux différents à part Call of Duty. C'est mon jeu préféré. J'ai pas essayé Battlefield encore. Mais non, je joue quasiment qu'à Call of Duty avec ma team et ça restera comme ça, je pense. Ou peut-être offrir de la diversité avec d'autres jeux. Car j'en ai sur mon ordi et je pense. En faire car mes abonnés aiment la diversité comme pas comme les abonnés mais tous ceux qui regardent les vidéos ils aiment la diversité donc je compte un peu passer à autre chose mais toujours en restant sur Call of voilà. Ok. Tu vas nous dire de quel matériel tu disposes pour tout ce qui est des vidéos? Bah comme vous savez tous sur PC on filme pas avec des Game Capture HD comme sur les consoles, nous on filme avec des logiciels. Donc moi j'utilise Fraps, un logiciel vraiment très bien, de bonne qualité. Donc c'est ce que je vous conseille si vous êtes sur YouTube et que vous êtes un joueur PC. Sinon comme matériel autre, je connais pas la marque de ma souris. Je sais que mon clavier c'est un Logitech et mon casque c'est, je ne connais pas la marque non plus. Bon bref, ce qui vous intéresse, je pense, c'est avec quoi, avec quel logiciel de film, bah voilà, c'est Fraps, c'est celui que je vous conseille. Ok, tu vas nous dire si tu as un projet quelconque pour une atteinte d'abonnés?
Bah là, nous venons de dépasser les 500. Nous sommes actuellement à 555, actuellement à l'heure où je vous parle. Et donc, bah nous avons déjà fêté les 500 abonnés avec un petit concours assez original. Ensuite, pour les 100 abonnés, je ne compte pas te faire concours car les concours sur les 100 abonnés, ça devient lourd. Mais une vidéo spéciale 600 abonnés qui serait une gun synchronisation. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est les tirs d'armes coordonnés avec la musique. C'est un style de vidéo qui prend énormément de temps. Le montage prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que je vais le faire à un nombre d'abonnés atteint. Donc je pense que ça va être 600. Ok, ben ça va. Mais je te remercie pour avoir accepté l'interview. Ah, je te remercie de m'avoir interviewé surtout. Je mettrai l'adresse de ta chaîne, enfin l'URL quoi, dans la vidéo pour que tout le monde aille voir et découvre un peu ta chaîne. Et sur ce, on se quitte ici, ok? Ok, bah merci à toi et merci à tous ceux qui regardent la vidéo. Donc je vous dis bah à la prochaine. Salut tout le monde.